Ah, la plage, le soleil, la mer. Magnifique, hein? Et non, c'est un terrain de volley. Je ne suis pas à la plage comme vous pouvez le constater, mais bien sur un terrain de volley, juste à côté du skatepark de Hitzkirch. Le skatepark de Hitzkirch, pour moi, c'est un des meilleurs skateparks en Suisse. C'est aussi dans ce skatepark que j'ai fait une de mes vidéos où je vous apprends à faire du clonage. Je vous mets le lien juste ici, voilà, en haut de l'écran. Mais aujourd'hui, on va pas faire du clonage. Aujourd'hui, on va faire un petit défi qui consistera à tester le grip le plus puissant au monde. Oui, je vous dis le grip le plus puissant du monde. Ce n'est pas un grip révolutionnaire, mais bien du scotch double face ultra puissant. C'est ça qu'on va mettre sur le grip et sur les poignets, et on va voir si c'est possible de faire des tricks avec. Pour m'accompagner aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathis. Mathis? Ah, oh putain. Ça va? Ça va et toi? C'est parti. M'a fait peur ce con. La pire intro du monde. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Mathis, Mathis c'est un des riders maintenant qui se prononce vraiment sur la scène professionnelle. Il est vraiment vraiment très bon en tout ce qui est tech. Je vais filmer quelques clips aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte à quel point il est fou. Il a déjà fait quelques apparitions dans mes anciennes vidéos, donc c'est possible que vous l'ayez vu. Vous voyez ce que je vous disais? Un monstre, un monstre. On dirait une grenouille. Et voilà, encore un trick first try. Tellement ouf. Tu m'as foutu de la sueur dessus par contre quand t'as tourné. Ah ouais, c'est fort probable. Ouais, dégueulasse. Regardez à quel point il était près du bord. Il est vraiment passé à la limite. Ça se jouait à 3 mm, je pense. On a des petits paparazzi, je crois. Oui, ça, mais. Elle est cool? Cool. Cool. Ça fait des manioles en mopette! Bon, le scotch double face, on l'a. On a le guidon parce qu'on va aussi faire les poignets, sinon c'est pas drôle. On va faire le grip et les poignets. Et le deck, on va prendre mon deck striker que j'ai là. Par contre. Il va falloir juste que j'enlève le grip avant parce que sinon ça va pas le faire. C'est parti. Merde. Ouais, ça colle très bien comme vous pouvez le voir. Hop. T'es sûr? Je la sentais celle-là. Est-ce que t'as des bouts de barbe qui sont... Ah, il y a un petit bout de barbe qui est venu avec. Bon, ça colle ou pas? Ouais, ouais, ça colle. Je m'étonne. Mathis, voilà, qui, Mathis qui là essaie de bon, se démerder là, avec du... Là, c'est bon, là. Du scotch double face. Ouais. Alors. C'est tellement ghetto. Et voilà, et de une bande. Ça nous aura pris 10 minutes juste pour faire ça. Tranquille. Oh mec, je peux te rider le dos maintenant. Allez. Ça va, tu t'en sors? Ouais, ouais. C'est un ouais ironique ou... Non, non, c'est vrai. On est en train de mettre le scotch double face le plus puissant que j'ai pu trouver dans les magasins de bricolage. Je pense que vous voyez comment Mathis il galère déjà parce que ça se colle à ses doigts non-stop. C'est vraiment, vraiment, vraiment collant. Je ne pense pas qu'on pourra le retirer comme ça le scotch. À mon avis, il va falloir qu'on utilise des produits, qu'on puisse enlever la colle. Bon, on va coller ça sur le deck maintenant. Oui.
Ah, laisse-moi tranquille. Ah, ah merde, je peux. Oh. Ah, ça colle tellement ce machin. Putain. Ah non. Toujours ramasser vos ordures au skatepark. Question de respect. Ça y est, je suis enfin prêt à tester cette trotte complètement collante. Je sais pas comment ça va être possible de faire des tricks dessus. Ça colle déjà tellement juste comme ça. Je vous donne à Mathis, voilà. Oh, c'est magique, la caméra vole. On sait jamais, on attache le casque quand même. Allez Benji. J'essaie d'ouvrir mes mains. Ah voilà, ça colle déjà bien bien. Au niveau des mains, voilà, au niveau des pieds. Ça va être génial, mais je pourrais faire des... Je peux essayer des no-end comme ça. Bon, c'est parti. Allez. C'est trop bizarre. Ah oh, ouais. Je peux pas m'arrêter. Je peux pas décoller les pieds pour freiner. C'est tellement bizarre. Oh oui. Oh là là. Merde. Putain, je peux plus. Attends. Je peux plus pousser. Je peux aller, non, non, non. Je vais me faire trop mal en fait en faisant cette vidéo. Oh oui. Je tiens à peine le guidon hein. Vous pouvez vous rendre compte à quel point ça colle. Je vais essayer un backflip comme ça là. Ah ouais. Allez. Faut déjà que je positionne mes pieds correctement quand je drop, parce que je pourrais plus les bouger après. Alors, bon, on va utiliser les traces qui sont déjà dessus. Voilà, comme ça. C'est parti. Oh oui! Je me rends compte à quel point c'est tellement difficile quand les pieds sont fixés sur la trotte, parce qu'en fait on peut pas se réajuster quand on est sur le deck. C'est des petites choses qu'on remarque pas forcément chaque fois que vous êtes prêt de faire un kick, mais il y a toujours vos pieds qui s'ajustent sur le deck pour se mettre en position parfaite en fait pour faire ce trick. Et là c'est juste pas possible. Du coup quand j'arrive, j'ai mes pieds parfaits pour pousser, mais pas du tout parfaits pour sauter. Je fais un dernier essai de no end, parce que ça avec ça c'est vachement facile, normalement. Parce que, bon à part le fait que mes mains elles collent au guidon, mais là j'ai les mains qui transpirent un peu, du coup ça colle un peu moins. Mais pour les chaussures en tout cas, c'est très difficile d'enlever les pieds. Donc on va essayer de faire un dernier essai de no end, c'est parti. Allez. C'était à deux doigts que mes chaussures aient se collé sur le deck et que mes pieds se barrent de mes chaussures, donc ça aurait été tellement drôle. Mathis va essayer, du coup on va remettre une petite couche de scotch parce que là c'est un peu sale, regardez. Puis toute la glu en fait elle est restée collée sous mes chaussures et elle s'est enlevée du deck. Voilà, maintenant je marche avec des cailloux sous mes chaussures, c'est assez chiant. Laissez-moi tranquille. Salut les gilets jaunes. Bonne journée gilets jaunes. Je crois en votre cause. C'est Mathis qui a récupéré la trotte. Tu veux essayer quoi comme trick? Double backflip suicide, ça a jamais été vu. Normal. Ah, t'as tellement pas loin, allez. Oh, là tu peux vraiment lâcher les mains. Oh, le bruit. Oh là là, mais que c'est bizarre. C'est pas que moi, hein. Je vous l'avais dit que c'était bizarre. Tu veux faire quoi là? Je vais tâter un petit frontboard, pourquoi pas. Petit frontboard? Allez. Sur le rail, c'est parti. Ça fait peur? Oh oui. C'est vraiment, ça colle hein. Vu que ça colle bien, vas-y, je vais essayer un petit ollie comme les skaters. Mais bah du coup, je tiens même pas le guidon. Sans le guidon? Mais alors, on va essayer tout ça. Tu l'avais presque. On se fout un petit ralenti parce que cette chute était mythique.
Mais vous voyez quand même que le deck décolle bien, hein, ça colle vraiment très bien parce que le deck décolle au moins dans ses 10 cm. Je sais pas si tu veux réessayer un petit coup. Allez, on va essayer un petit coup. On va essayer un petit coup. À chaque fois qu'on enlève les pieds, en fait la glu s'enlève, du coup ça colle moins bien. Et il va réessayer quand même une fois en espérant que cette fois ça marche. Oh, c'est tellement chaud à rider comme ça. C'est pas du tout naturel comme mouvement, enfin comme sensation. On a vraiment l'habitude d'être libre avec les pieds et là du coup on se retrouve un peu, mais tu sais, il y a une résistance. Il y a une résistance qui foire tout en fait. Tout, chaque fois que tu veux faire un truc, ça le fait foirer. Je pense que c'est une habitude à prendre. C'est mieux qu'un grip normal, je pense. Ouais. On va essayer un dernier truc. J'ai une petite idée là en tête. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. On va croiser les doigts et surtout, j'espère que je vais pas me faire mal parce que ça risque d'être un peu dangereux pour une partie de mon corps. Non, c'est pas celle que vous pensez. Merde, c'était le mauvais endroit. Bon, tant pis, c'est trop tard, c'est collé. Hop là! Hop là! Maintenant, je vais essayer de faire un whip comme ça. Voici Benji qui ride. Hop! Allez, je vais faire de la trotte. Hop! J'ai l'impression d'être en chausson. Attention, world first! Hop! Yes! Oh bordel! Mais j'y crois pas! Est-ce que j'essaie en transfert, mec? Là, franchement, ça passe. Hein. Ah bah oui, hein. On veut le voir. C'est souvent les idées les plus connes qui sont, les idées les plus connes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez partager cette vidéo, appuyer et défoncer le bouton des likes. Et n'oubliez pas de me mettre en commentaire quelle ville vous aimeriez que je visite. Comme ça, je peux vous rencontrer dans les skateparks, on peut se faire des sessions ensemble et bien sûr, une nouvelle vidéo YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à Mathis de m'avoir accompagné à Itzkirch. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.